L'un des modèles préférés des fans de Hot Rod arrive en tant que mod dans Assetto Corsa. Bonjour et bienvenue dans Track D. On se retrouve aujourd'hui sur la piste de Brands Hatch pour quelques tours à bord d'une voiture emblématique des années 30, la Ford Coupé. Ce modèle arrive donc gratuitement en mode, disponible dans la description, et cette voiture est assez atypique, ça ne fait pas partie des modes que l'on a l'habitude de retrouver dans des jeux de plateforme simu comme Assetto Corsa, orienté simulation en tout cas. C'est plus le modèle qu'on retrouve dans des jeux comme Test Drive Unlimited ou encore The Crew ou Forza. Et ici, eh bien, la physique est assez bien réalisée et très fine, vous allez le voir, je vais commettre d'ailleurs quelques petits écarts de trajectoire, puisque eh bien avec ses roues très hautes, très fines et son couple immense, cette voiture est assez particulière à piloter avec son grand volant également. Elle est juste parfaite au niveau de la réalisation visuelle, il n'y a absolument aucun défaut, que ce soit de reflet, d'image, de texture, elle est vraiment bien finie. Ce serait limite une voiture disponible de base dans le jeu. Un poids de 1 tonne 2 pour une puissance aussi entre 330 et 350 chevaux et une vitesse de pointe à 250 km/h et un 0 à 100 en 7 secondes 3. Alors, très difficile de gérer cette voiture sur les courbes lentes et en fait, son comportement est très bien réalisé parce que il suffit que vous preniez trop d'appui dans les virages et que la voiture décroche, et bien le temps de la récupérer, c'est trop tard. C'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de possibilités de rouler en drift, en dérapant avec cette voiture qui a une très très bonne adhérence à la piste, mais une fois qu'elle décroche, elle est plutôt compliquée à rattraper. En tout cas, pour l'heure, je vous laisse profiter du son très réussi de cette superbe Ford Coupé, et vous connaissez la tradition, montez le son !